Yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de Satisfactory. Alors oui, on avait débloqué, à la toute fin de l'épisode, on avait débloqué un nouveau niveau. Ça nous permet de faire une balise. Ok. Ah oui, ça peut créer des balises ou un truc comme ça. Espace insuffisant dans l'inventaire. Ah oui. Oui, parce que... Effectivement, j'ai passé un moment hors enregistrement à aller chercher de la biomasse parce que bah c'est rare dans ce pays. Ouais, la biomasse, je suis allé en chercher un peu partout. J'ai fait 100 mètres à la ronde. J'en ai pris pas mal. Allez. Ok, donc j'ai une balise et il me faut un scanner d'objets. Il me faudrait quelques vis pour ça. Ouais, est-ce que je vais les craft pour me vider ce que j'ai dans l'inventaire plutôt que d'en prendre? J'ai plus rien dans l'inventaire, parfait. Je vais en chercher quelques-unes. Disons, ça a l'arrêt tout ça. Ah. Quand je suis parti, oui, il y a peut-être eu une petite coupure de courant. Alors, les vis, les vis, les vis. Non, ça c'est du béton. Yes. C'est ça, c'est ça. Alors, ma balise qui va me permettre de poser des balises. Yes. Que je pourrais voir en fait tout simplement sur ma boussole. Et un scanner d'objets. Alors scanner d'objets, mon pote il m'a expliqué ce que c'était, j'ai de la chance. Et je le prends dans les mains. Je vais poser déjà les trucs importants, je sais pas. Donc j'en ai encore. Ouais, j'en ai 36 milliards de trucs. Alors je le prends dans les mains. Là, je fais recherche. Ah non, ça marche pas, ça. Out of range. Reporter de quoi? Bon bah ce sera pour plus tard. Je peux reporter. Alors, émet des bips à fréquence proportionnelle à une distance dans toutes les directions. Emplacement. Faudrait une balise peut-être, je sais pas. Ah regardez, j'ai un truc de wifi, genre vraiment ça se trouve en fait sur la droite de l'écran. Ouais, il y a peut-être un truc comme quoi il me faut de l'électricité, alors. Bah ce sera pour plus tard. Alors la baliste, hop, tac. Ce que je voulais faire avant tout, essayer de débloquer un quelque chose. Ça. Dégagement des obstacles. J'aurais une tronçonneuse et de la place supplémentaire, ça me coûte pas grand chose, il me faut juste des vis. Et surtout, ça va me permettre de débloquer un petit quelque chose, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, toutes les vis. C'est de la biomasse compactée, et il me semble que ça dure un peu plus longtemps. Bon, c'est un peu long à faire, mais ça dure un peu plus longtemps. C'est ça, hop, tac. Paf, paf. On va l'envoyer. Et voilà, biocarburant solide. Ça demande de la biomasse. Et ça produit du biocarburant solide. Et bon, la taux de production est terrible. Mais au moins, j'aurai un peu moins à m'en faire. Je sais pas comment ça brûle. Je pourrais pas avoir un peu plus d'infos? Bah, il peut être utilisé par la tronçonneuse. C'est vrai que maintenant je peux faire une tronçonneuse, les gars. Tronçonneuse. Aux plaques de fer renforcées et tiges de fer. Ok, ah bah, plaques de fer renforcées, ça c'est moins cool. Tige de fer, c'est pas par là, si. Bon, on va faire des plaques de fer renforcées. En attendant que la capsule elle revienne.
La tronçonneuse, qu'est-ce que ça fait? De ce que j'ai vu, ça permet en fait de retirer, enfin de... Ouais, j'avoue, si j'avais pu la voir pendant que j'étais parti, oh, terrible. Sur un cercle, ou l'équivalent, je pense, d'un cercle autour de soi, un coup de tronçonneuse va retirer tout, que ce soit arbre, feuillage, bois, etc. En fait, ça va permettre de tout prendre. Et au lieu de ramasser le truc un par un, hop, un coup de tronçonneuse, et ça prend tout. C'est pratique. Pour le coup, c'est vraiment pratique. Donc c'est pour ça que je vais faire petite tronçonneuse. J'en profite, je fais un petit peu je fais pas mal de plaques de fer renforcées, ça me servira. De toute façon, pendant l'explication, au moins ça permet de... Enfin, pendant le... ça se fait, l'explication permet de combler un petit peu le vide. Allez, tronçonneuse. Il me faut des vis, je crois que j'ai tout récupéré en plus. Oh merde. Peut-être pas du tout faire. Ah ouais, mais du coup, vu que c'est... Oh, terrible. J'ai tout qui est vide? Oui. Bon. Bah, va falloir faire de la biomasse à la main. Pour pouvoir faire redémarrer au moins un petit quelque chose. De la masse solide ou un truc comme ça à la main. Voilà, bon, j'ai ça. C'est pas mal en vrai. C'est marrant, c'est que ça continue alors que c'est... Ouais. Tu sais quoi, je vais tout prendre, je vais tout vider, je vais tout faire. Alors attention. Ok, c'est quand même mieux. Attention, mais t'inquiète. Et là, bah... Un peu de biocarburant solide à faire, et le truc c'est que c'est long. Donc je vais pas tout faire. Je vais en faire juste de quoi alimenter pendant, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes, un truc comme ça. J'ai combien? J'en ai 5. J'ai 5 centrales. Je peux pas appeler ça centrale. Brûleur de biomasse, voilà. J'ai 5 brûleurs de biomasse à alimenter. Je vais faire 100 biocarburants solides. Donc 100 divisé par 5, ça va me donner 20. Je vais avoir 20 biocarburants solides par brûleur. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Au moins, j'aurai de la vis. Je vais faire ma tronçonneuse, aller chercher plus de biomasse. Et surtout, je vais faire un truc, je crois, pour produire de la biomasse. En fait, je vais faire quelque chose qui va me permettre de créer de la biomasse. Sans avoir à me taper taper tout ça à chaque fois quoi. Surtout pour le biocarburant solide. La biomasse c'est facile, c'est rapide. Mais pour le reste c'est long, c'est long. Non, fallait que j'alimente. 20 par 20. Alors, oula. Je peux pas dire là j'en veux tant. Hein. Terrible ça. Parce que là, tu divises par deux, tu divises par deux, tu divises par deux. Je peux pas. Bon, il y en aura, aura 25 à peu près. Hein, par bignouf. Bon, il y en aura un ou il y en aura deux. 12. Lui, il va tomber vite. Merde. Reviens là toi. Reviens là. Reviens là toi. Merci. Ah. 15, 15, super. Bon bah ce sera. On aura déjà vu. On aura vu mieux. Hein. On va tout foutre là-dedans. Et je vais réalimenter ça. Ah, j'ai loupé là. Bon, on ralimente tout au moins, ça c'est déjà fait. C'est déjà ça de fait, je veux dire. Le principal c'est qu'on est. On est ce qu'il faut ici. Je vais faire ma production de biomasse là. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un conteneur d'arrivée. Il me faut
un constructeur qui fasse la biomasse. Hop. Tac. On va voir si ça. Il en produit combien? 120 par minute. Ah oui, on va faire plus. Et voilà un autre conteneur. Je vais peut-être doubler le circuit en vrai. Ah, ensuite, il manque des plaques. Est-ce que je doublerai pas le circuit? Ça va. Non, ça va aller pour le début. Pour le début, ça va aller, mais c'est vrai que très vite, on va avoir besoin. Donc. Eh oui, c'est ça. C'est l'automatisation par la flemme. Et vu que je suis un gros flemmard, j'aime tout automatiser. Alors. Hop, allez, on va mettre un poteau là. Il est complet, il est complet. Merde. Il me semble que j'avais laissé un poteau là-bas. Hop là. Là, j'ai plus qu'à foutre toute la biomasse. Toute la biomasse. Et là, ça va faire ce qu'il faut. Normalement. Yes. Ça sort combien par minute, ça? 60. C'est cool. Non, c'est propre en vrai. Et là, j'aurais plus qu'à envoyer ça là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas un truc genre qui fait qu'on peut mettre la biomasse tranquille, ça rentre tout seul là? Je crois pas, hein. Ah, il n'y a pas d'alimentation automatique. Oh, pas ouf. Bon, c'est pas grave. En attendant, ça tourne. Ça tournera pas longtemps, mais ça tourne. On a combien là? J'ai plus que 6. J'en ai déjà plus que 6, quoi. C'est terrible. Pétales de fleurs, etc. Blabla. Allez, hop. On va tout mettre là-dedans. Les pétales de fleurs. Non, ça va pas me servir, ça. Pétales de fleurs, je suis à peu près sûr que ça devrait me servir plus tard. Je saurais pas dire pourquoi. Donc je vais les garder là-dedans. Ces feuilles et bois. Ouais, voilà, ces feuilles et bois. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut débloquer d'autre. Des tremplins. Ça, c'est nul. J'ai essayé, c'est pas ouf. La cage intelligente. Assemble. Ça pourrait être intéressant plus tard. Rotor. Ok. Ça. Pas ouf. Dispositif. Donc logique MK2, ça augmente la capacité de transport des convoyeurs, ça c'est cool. Ok. Tôle de cuivre, rotor, câble modulaire, et tout bazar. En fait, moi ce qu'il va me falloir c'est débloquer un maximum de trucs pour débloquer l'énergie électrique suivante. Mais là, vous voyez, j'ai rien qui va le débloquer tout de suite comme ça. Hein. Ah, il m'en faut 50 des plaques de fer renforcées. J'y vais les faire. Attends, il m'en faut 50 ou il m'en faut plus à la fin? Ok, 50 en tout. Allez, bon, on va faire ça. Ah oui, mais il me fallait des vis. Pourquoi il me fallait des vis déjà? C'est vrai qu'il me fallait des vis pour je sais plus quoi. C'est pas pour ça, là, pour une tronçonneuse, genre? Ah ouais, c'est ça. Ah puis ça s'est déjà arrêté. Terrible. Ah mais du coup... Non mais j'y pense, mais... J'ai plus d'électricité, bah ça s'étend dessus. C'est terrible ça. Ça y est quoi? Je vais faire ça. Je vais laisser en marche que ma production de biomasse. Pendant que je vais faire ma tronçonneuse. Yes. Ok. Hop.
Ah oui, tiens, je voulais voir, genre, est-ce que ça... Out of range. Ça doit manquer d'un truc, alors... Qu'est-ce qui pourrait... Ah, je suis sûr c'est ça. Le MAM. Je vais le faire à côté. Bah, et aligne-toi au moins, fais semblant. Hein. Le MAM. Et là, je suis sûr qu'avec le MAM... Rien. Rien du tout. Bon, bon, moi j'ai ma tronçonneuse. Na. Ah. Pendant que là-bas c'est en train de se faire. Alors, voyons voir. Disque dur. Nutriments. Poulet ou B. Noix de béryl, ça j'en ai des noix de béryl. Est-ce que ça a besoin d'être alimenté ce truc? Non. Ok. Alors, noix de béryl, j'en ai. Et tige de machin, j'en ai aussi, je crois. Je peux pas en prendre qu'un? Attends, ça. Transférer la pile, diviser la pile, clic droit, transférer toutes les piles, non. Bon bah on peut que diviser par deux et rediviser, hop, bon bah voilà comme ça. J'ai ça. Noix de béryl, ils m'ont demandé 5, mince. Oh, faut rediviser en X. 4, yes. Ah j'en ai 5, ça y est. Je vais mettre ça en bas. Et on verra si ça me demande autre chose plus tard. J'en ai pris un, je suis pas sûr que j'ai besoin de. Alors, nutriments. Allez, nutriments. J'ai. Lancer la recherche. Ah! New object added to the object scanner. Ah, ajouté dans la liste de scanners, ok. New research Ça, j'ai pas, available in par the contre. Hein. MAM. Palais ou B. C'est pas ouf, ça. Donc, je suis obligé d'avoir la palais ou B. Je veux débloquer. Processeur nutritionnel. Je m'en fous, ça, non? Là, c'est comment je... Arbre de recherche débloqué. Donc là, on peut débloquer des arbres de recherche. Je ne saurais pas dire comment, mais apparemment on peut. C'est pas un truc là-dedans là qui est planqué? Genre ça là? Non. Genre là-dedans là? Non. Là, y a rien. Ok. Ah, Bon, je vais aller recharger un coup mes usines. Hop, avec ce que j'ai pu produire. Oh, c'est bien déjà là. Oh oui, c'est bon ça. Une bonne prod. Ah putain, je vais recharger ces deux-là. Tiens, ces cadeaux mangent. Parce que là en plus je consomme combien? Max 22 13. Oui, allez. Donc à la recherche des fameuses paléobées. On va faire un peu d'exploration. Ça va changer. Oh, regardez. Mince. Hop, on va passer. Ça. Ah! Mais je me fais attaquer là! Ah putain, c'est ça là.
offrir. Bon, est-ce que je vous expliquais, voilà, si je passe un coup de tronçonneuse. Alors, il me faut de la... il me faut du carburant. Il me faut du carburant. Ouais, il me faut ça. On va en prendre un peu. C'est que là, par exemple, je peux couper ça. Ah, c'est même du mycélium et du silicate. Oh. Bon, allez là, hop, je coupe, et hop, vous voyez là, hop, tout autour de moi, ça disparaît. C'est pratique quand même. Bon, allez, je vais essayer d'éviter de couper. Ah, est-ce que ça coupe le truc AB? Ah, j'espère pas. Non. Ça peut, ça peut. Donc, je vais éviter. Bon, il faut la palée au B. Ouh, c'est un monstre qui a pas l'air très gentil, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Oula! Ça me balance des éclairs. Viens là, viens là. Aïe! J'arrive pas à toucher. Ah, je suis vraiment pas bon au FPS, hein. Vache, ah, il me fait mal. Ah. Cracheur de plasma là. Bon, j'ai découvert une électrolimace bleue. On va faire tous les trucs AB, hein. On sait jamais. Ça, ça a l'air du dénoua de machin, notre béryl. Oh, il y a une grotte. Oh, c'est joli ça. Attends, quoi? Ah ouais, non, je croyais que je pouvais ramasser les feuilles de ça. Je me disais, bah là, au moins, ça repousse, quoi. Il y a une chauve-souris, j'ai flippé, j'ai plus beaucoup de points de vie en plus. Jolie grotte, par contre faut pas que ça tombe ça. Stalactite, jamais passé en dessous ce truc. Oh purée. Oh, c'est vif ce truc en plus! Je vais y passer hein. Ah, c'est trop. Non, ça va. Ah, une autre électrolimace bleue, ils ont même pas. Ah, dommage. Je suppose qu'avec. Alors, je crois qu'il y a trois couleurs et je suppose que chaque truc débloque un. Quelque chose de spécial ou au moins une fonction spéciale. Hop, on va regarder quand même autour. Toujours regarder un peu derrière. Bonjour, je cherche des baies de machin, je crois. Oh, de l'eau, elle n'est pas belle l'eau. J'ai pas trop envie de m'y baigner. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Alors, recherche des baies. Bon, bah, quand il faut. Voilà, c'est bon. J'ai trempé que le bout des pieds. Parce que je suppose. Ça. Ouais, voilà, ça me donnera pas le. Ça me donne pas l'indication sur ce que j'ai pas trouvé. Dommage. C'est quoi ça? Une balise? Je me suis trompé. Poser nos. Oui, voilà. Alors oui, on peut pas utiliser là, c'est la tronçonneuse pour. Contre les monstres, ça marche pas. Là, je m'approche pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais essayer d'aller mon. J'essaie de monter là. Ça va pas être facile cette histoire. Oh là là, on va faire des escalades là. Allez, oui. Et encore un petit effort, mon ami. Oh, ça c'est risqué.
ça glisse pas, ça va, ça glisse pas trop. Oh merde! Non, pas toi! Ouais, ok, lui il a été plus, plus tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est? Un Summer Sloop. Oh, pas que c'est ce que je recherche, hein. Au moins. On peut pas récupérer la pierre, elle est sympa. Bon. On peut pas récupérer la pierre. Y a-t-il du truc B? Oula. Là, là-bas, ça me dit rien qui vaille. Notre béryl. Ah, zut. J'ai cru pendant un instant, je me suis dit, oh, super, j'ai trouvé quelque chose. Non. Ouais, là, ça a l'air très empoisonné. Hein. On va pas y aller, on va pas prendre de risque. Oh, il y a une belle mer là, par contre. Je suppose que c'est. Je me demande si. Ouais, ça a l'air d'être la limitation de la map. Hein. Notre béryl. C'est là où faut descendre. C'est là où c'est. Là où on va se péter les jambes, je peux vous le dire, le mec. Yeah, ça va. Ça va. Ça va, ok. Je pense que ça devrait aller. Hein. Oui, c'est bon. Bon, on n'a pas trouvé CB. Bah, on continue l'exploration. Il y a un truc là-bas. On va voir. Après, si c'est planqué en plus. Qu'est-ce que c'est? Zut, j'ai cru. J'ai dit, oh, c'est coloré, c'est une boule, ça a l'air d'une baie, ça, non? Pas du tout. C'était ça. Ah, il y a un arbre volant là. Ah, c'est sympa le principe, hein. Quoi ça? Ce qu'on nage de l'autre côté, ma carte. Est-ce que j'ai pied? Du coup j'ai pied, c'est la question. Ouh, je vais pas avoir pied longtemps moi. Je... Oh, quoique. Oh, c'est pas très profond. Hein. Oh, ça a l'air hostile. Oh, ça a l'air hostile. Si c'est des noix de béryl là-bas et que... Ah, du calcaire, allez. Calcaire pur, on va récupérer ça, au passage. Alors, est-ce que je peux manger des noix? Yes. Ouais, c'est un demi point de vie à chaque truc. Ah, mon pauvre, tu vas avoir une de ces chiasses ce soir. Putain, il y en a trois des trucs là. Noix de béryl, noix de béryl. Ah là là, courage, fuyons. J'en ai fait. Oh la vache. Par contre, c'est un peu plus vert ici, c'est sympa. Toujours aucune trace des baies. Hein. Après les baies, je sais, c'est dans. Ça ressemble ça, non? Pas du tout. Je ne pense pas. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très hostile. Oh la vache!
Attendez, je vais essayer de voir s'il y a un endroit pour monter et je me barre de cette île. Pardon. C'est Jurassic Park le truc, hein. Ok, là je pense qu'on peut monter. Wesh, un effort, voilà. Même moi je peux le monter. Allez, Obi! Oh, yes! Allez, courage, fuyons. Non, mais c'est bon, j'ai compris, je me casse. C'est bon, tu me suis plus, toi? C'est quoi ça? Du catharium, je sais pas ce que c'est, mais vu que j'en ai pas, je vais en prendre. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in bon, on est en exploration, tout ce qu'on connaît pas, on prend. A new research tree can now be accessed in the MAM. Y a pas des baies là? Enfin des noix là. Et hop, putain. Il y a une petite crotte là de calcaire. Et on va rentrer à la maison. On a des trucs à analyser là, au moins. Ah, j'avais peur que l'épisode soit. Ah bah on va nager. C'est un peu barbant. Oh, c'est profond, dit. Eh, hey, tu vas pas te noyer, mon gars. Oui, une sacrée profondeur. Ouais, je disais, j'avais peur que l'épisode soit un peu barbant. Bah, tu fais que j'ai pas assez de biomasse, je peux pas produire, etc. Bah non, on va partir sur de l'exploration. Ah putain, par contre, dis-moi que je peux passer le rocher. Dis-moi que je vais pas devoir faire tout le tour. Oh là, jamais je passe. On va faire le tour. Oh, un dessin. Peut-être pas un dessin, mais c'est joli. C'est profond. Oh bah disons, l'eau elle est belle, hein. Eh bien, on aura pour remonter au moins, j'espère. Non, mais pas sûr. C'est bien la nage, hein, mais bon, au bout d'un moment. Ok, ça a l'air d'être bon là. Ouais, je vais avoir pied progressivement ici. Ouais, j'y ai cru. Oh, je vois la plage là-bas. C'est bien, ça nous permet de voir ce qu'il y a un peu sous l'eau. Il n'y a pas beaucoup de poissons, hein. Il y a pas de plantes, c'est terrible ce. Non, il n'y a pas beaucoup de vie sur cette planète, hein, c'est. Pas un seul poiscaille. Tu me diras, heureusement, parce que si je croise un poiscaille, genre. Sorte de piranha géant, je suis pas bien là. Je suis en train d'y penser là, comme ça, mais je me dis. C'est peut-être bien en fait que j'ai rien croisé, parce que là. Oh la vache, c'est loin. En tout cas, très joli petit coin. La direction le hub. Si lors du retour, je croise des baies machin. C'est pas une baie machin ça, mais je pense que c'est un truc qui peut être intéressant. Ah zut, j'ai cru que j'avais pied dit. Canal. Ouh, il y a un petit nuage là. Oula. Non, c'est pas un nuage ça, si. Pour moi, c'est pas bleu là. Qu'est-ce que c'est? C'est des moules ça ou quoi? Oh la vache, la taille des moules, purée. Ah, mais c'est pareil ça. T'es où? Respecte-moi un peu et fais-toi écriser là. Il est vif, hein. Désolé la bestio, mais moi je t'attaque pas, hein. Je suis pas là pour vous. Hein.
Ah oui, je viens sur ton territoire, très certainement, mais... Excuse-moi, hein, je viens juste récupérer ce truc. Sphère de Mercer. Mercer. C'est ça comme vous voulez. Ah bon. C'est assez profond cette fois, zut. Moi qui me disais c'est bon, je suis au sec là. On va rester au sec pendant un moment. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que... Je dis pas que c'est encore un mob ça. Non, c'est une plante. Quoique ici on sait jamais. Hein. Ok. C'est bon, on est près de la base. On va pouvoir faire analyser ces fameuses baies. Oh, c'est quoi ça? Ah, du fer encore, la vache. Ça tourne toujours ça. Oui, ça tourne toujours. Ça produit un peu. Et on va faire l'analyse, allez. Wesh. Ah oh non, mais déconne pas. Ah voilà. Non, c'est ça. Voilà. Et là, processeur nutritionnel. On verra plus ça. Ah. On a découvert du mycélium. Putain, je pensais pas que... Pour moi, le mycélium, c'est sous la terre. Hein. C'est pas dans les cactus. Bon, après... Je connais pas tout. Du tissu. Ok. Oh là. Oui, j'y suis bon. Organisme. C'est quoi ça? Ah, de ce sanglier alien, j'en ai pas. Cherche les crashers. J'en ai ça, non? J'en ai. Ça, c'est quoi? Les draps de... Dardeuses, le machin. Là. Les dardeuses, ouais. Les dardeuses, j'en ai croisé une. Allez, hop, putain. Ça. Les écloseurs, je sais que j'en ai. Ah bah, j'en ai un là. Eh, j'en ai pas ça. J'irai checker quand même. C'est quoi ça? Caterium, oui, si, ça on a trouvé. New resource added to the resource scanner. Un goût de caterium. Ah non, bah ça pas pour l'instant. Électrolimace. Électrolimace bleu, hop. Il en manque une jaune. Une... C'est bien jaune ça? Ouais. Ah non, avec la jaune, mince. Sûr qu'à danser la production. Ouais, d'accord, avec des électrolimaces, ok. Alors il me fallait un truc de sanglier extraterrestre là. Que j'en ai. J'en ai, c'est forcément là. J'en ai pas, zut. Hop, allez, ça on garde de côté. Paléoubé on garde de côté. Caterium on garde de côté. Ce truc là on garde de côté. Ça aussi. Pétale de fleurs, ouais, c'est là-bas. Pétale de fleurs, si on avait dit qu'on le mettait là. Ok. On va faire un tour maintenant sur notre biocarburant. Je pense que là, oui, ça a le temps de tourner. J'en avais déjà vu tout à l'heure, on avait quelques-uns. Hop là, mec. On va alimenter tout ça. Bonjour. Vous en voulez? En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. J'en ai déjà presque plus. En veux-tu, en voilà. Honnêtement, est-ce qu'il me reste beaucoup en stock de la biomasse? Donc ça. Ce serait bon pour refaire un tour. Et je vais rebrancher ma prod. Hop. Voilà, tout va retourner. Normalement. Petit à petit.
proceed with harvest before it's too late. Ça a dû monter ? J'ai pas vu, c'est disjoncté. Capacité, consommax. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'est reparti. Maintenant que c'est reparti, qu'est-ce que je voulais faire déjà ? MK2 ? La logique MK2, hein. Ah oui, c'est ça. Les plaques de fer renforcées. Eh ben, on va refaire quelques-unes. Qu'est-ce qu'il me fallait ? Il me fallait des vis. Plaque de fer, j'ai ce qu'il faut. Quelques vis. Allez, récupérer quelques vis. Ouais, je crois que ça doit être vide. Ça peut le temps de se re-remplir. Même si j'en avais en route. Je suis même pas sûr que ce soit arrivé encore. Ouais, c'est même pas encore arrivé. Donc là, c'est vide ça. Oh non, c'est pas vide. Peut-être ce qu'il faut. Il me faut 50 plaques de fer renforcées. Hop là. Bonjour, bonjour. Non, c'est pas là. On avait 25, il m'en faudra encore un peu. Il va me manquer quoi, des vis ou des plaques de fer? Des plaques de fer. On va faire de la biomasse de mycélium. Ok. Hop, ça fera ça au moins dans l'inventaire. Le mycélium, je vais en garder. Je vais le mettre dans ce coffre là. On va voir le mycélium. On va faire de biomasse de suite. Tiens, hop. Attends, par contre, le ratio de la biomasse de mycélium 1 pour 10. Ah, ouais, c'est pas mal. Allez, je vais foutre la biomasse là-dedans. Voilà, ça en fera un peu plus en rab. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, aller chercher des plaques. Je vais aller chercher un peu de tout d'ailleurs. Allez, quelques plaques. Quelques tiges. Bobine, je sais qu'il faut. D'ailleurs. Voilà. Ah, reste de cracheur de plasma, ça je pourrais le mettre là. Hop, qu'est-ce que ça? Et ça, c'est bon. Toi, hop, ça me libérera de la place dans l'inventaire. Il me fallait plaque de fer renforcée. Ah, j'ai eu les vis. Il en faut 5 encore, allez. 48, 49 et 50. Ok, alors, déjà. Il me faut que du béton. Non, c'est... Il me faut du béton et des plaques. Encore des plaques, la vache. Heureusement qu'il y a une production. Heureusement que j'ai doublé la production. Enfin, j'ai doublé. Oui, si, j'ai doublé, je crois, la prod. De toute façon, les plaques de fer, vous verrez, c'est un délire. Hein. Il en faut une quantité de ce truc. Hop, allez, hop. Le béton, c'est pareil. Hein. Plaque de fer, béton, c'est. C'est assez impressionnant. Hop, merci, merci, merci et merci. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts. Prochain truc, ça sera l'assemblage de pièces. En vrai, il est... ouais. L'assemblage, il est vachement utile pour par exemple pour les plaques de fer renforcées. Ça, on s'en fout. Enfin, faudra débloquer les deux, mais... franchement. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir garder de côté... Ah, tiens. Oui, courrier MK2, ouais, forcément. Alors, pylône, parce qu'on va pouvoir superposer deux lignes de convoyeur, ça va être cool.
L'ascenseur orbital. Ouais, non, mais ça prend une place. Regardez-moi ce bordel. Ça, je vais le mettre. Je vais voir si j'ai moyen de le mettre au-dessus, ce truc-là. Non, vraiment, parce que ça prend une place de. De fou. Parlez poliment. J'ai compris quand j'en ai installé un sur une bah sur une partie précédente. Hein, d'ailleurs, je me suis à peu près arrêté là. La place que ça prend, ce truc, c'est une dinguerie. Autre chose. Je vais faire là dans ce désert. Je vais l'aplatir en mettant des fondations. Donc le truc, c'est que je vais trouver le coin à peu près le plus haut. Et je vais dire, hop, on va faire des fondations qui vont partir de là. Pourquoi? Parce que là, c'est mal organisé, c'est pas du tout optimisé, j'aime pas ça. Je pourrais partir de ce niveau-là. D'ailleurs, je vais me le mettre en référence. Je vais me le mettre totalement en référence, ce truc. Ah, il manque de la hauteur. Dommage, c'est triste, j'aurais bien voulu monter dessus. Ok. Et là, je suis au-dessus de tout, c'est bon. Et ouais, je vais mettre. Je vais blinder tout simplement de ça. Comment ça s'appelle? De fondation. Et ça va recouvrir grosse partie de tout ça là. Et en fait, le fait que ça soit plat, je vais pouvoir poser ma machine bien à plat, je vais pouvoir bien organiser, que ce soit plus compact, beaucoup plus. Oh merde. Attends, déjà? Beaucoup plus efficace. Attends. Ah, mais c'est vrai qu'il y en a deux que j'ai pas réalimenté de suite. Mais pour ça, il va me falloir beaucoup de matériaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux. Et surtout beaucoup de plaques de fer et de béton. Hop, ouais, c'est celui-là qui a. Ok, on est revenu à une bonne capacité. Bah, pour le coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Bah, pour le coup, je vais pouvoir raser la zone en fait. Hein, c'est. Raser la zone, quand je dis raser la zone, c'est raser les trucs qui s'y trouvent. Là, on est plus haut, on est plus bas. En vrai, on doit être plus haut, hein. Plus bas. Je veux dire. Ah, c'est limite, hein. Ah, c'est peut-être ça, en fait, qui. C'est peut-être ce point-là qui va prendre mon. Qui va prendre ma hauteur de référence, hein. Ah, c'est ce point-là qui va prendre ma hauteur de ref. Allez, en attendant. Comment je l'ai fait fonctionner sans énergie, moi? Voilà. Parce que, bon, voilà, sur l'épisode précédent, je vous ai retiré une petite partie, quand même, de taillage, de machin, etc. Là, on va faire une petite partie ensemble. Il reste pas grand chose. Voilà, le reste de l'épisode ce sera ça. Donc pour ceux qui veulent pas spécialement voir, n'hésitez pas. Il y aura pas normalement, il y aura pas grand chose d'autre hors surprise. Mais voilà. Mais ouais, voilà, ça va être du taillage de comment ça s'appelle de feuilles, de branches, de bois. On va faire de la biomasse. De une, ça enfin pas vraiment. En fait, je veux dégager le terrain pour que ça soit pour deux choses, pour pouvoir bien construire facilement et aussi me faire de la biomasse. En fait, c'est à moins d'une pierre deux coups. Dans tous les cas, de toute façon, ce sera recouvert, il n'y aura rien qui viendra par-dessus. C'est vraiment pour ça que je me permets de le faire. Oh purée, de nuit, je suis perdu. Allez, on reprend la tronçonneuse. Et désolé les cactus. Hein. Là, ça coûte de la silice, ça. C'est marrant, c'est que je peux des fois et des fois je peux pas. C'est drôle. Bref.
Là, ça a pas du tout repoussé. Wesh. Ah, par contre, l'arbre à couper, pas facile. Hein. Et vous voyez, hop, c'est en zone. Là, j'ai deux arbres qui étaient là, et ils sont plus là. On va le refaire ici. Ouais, mais non, mais je les aime bien ces deux palmiers-là. Ils donnent un peu de couleur quand même. Et j'espère que ça va pas le péter. Oh merde. Dommage. Je voulais pas le péter lui. Ça a vraiment une porte un peu plus grande que prévu. Là, ce sera ok. Ah oui, bah si, là, il y a du cactus. Ok. Voyons voir. Là, tout là, il n'y a rien. C'est parfait. Oh, c'est quand même pas mal. On ramasse le reste à la main quand même. Pour des trucs. Là-bas, je vais retirer un peu, ouais. C'est quoi, c'est un caillou, c'est un arbre? Ah, ce sont des arbres et des cailloux, ok. Bon, là, c'est trop espacé, je vais retirer à la main. Là, je vais pas aller beaucoup plus loin, je pense que je vais éviter. En plus, j'ai des baies là, donc ça sera un peu con de sacrifier ça. Là, je vais aller chercher un petit peu en couper. Là, en contrebas, c'est pas intéressant. Hop, on va récupérer ça. J'ai cru qu'il y avait un minerai, mais non. Ah là, là-bas, par contre, ce sera à explorer. Hostilité? Comment ça, hostilité? Ah non, y'a rien. À moins que j'ai pas vu. Hein? Hein? Ah yes, bah j'en avais besoin en plus de... Wow, la vache! Ils sont violents, ils sont... Je crois que j'en ai besoin en plus à étudier. Viens là, toi. Désolé, petit animal, tu n'as rien demandé à personne. Bien que tu sois chelou, c'est moi qui viens sur ton territoire et pas l'inverse. Toutes mes excuses. Je n'ai aucune excuse d'ailleurs, je n'ai vraiment aucune excuse. Et ouais les gars, c'est le même principe pour les ours. Par exemple. Vous n'allez pas sur le territoire d'un ours, il vous fera pas chier. Quand un ours vient sur votre territoire... Alors ça c'est un cas un peu particulier je suppose. Mais tant que vous n'allez pas sur le territoire d'un ours, il viendra pas vous faire chier exprès. Hein. Rien à foutre de vous. Hein. La majorité du temps, un ours a peur de l'homme. Hein. Il est pas con. Hein. Ah, oula, c'est oula, comment je passe là? Vrai que, vous voyez là, c'est tellement le bazar, je sais même pas trop comment passer. Alors, on va vraiment réorganiser tout ça. Oula. Ah, je croyais qu'il y a une araignée. Non. Ouais. Et là, il y avait une recherche à faire, c'est ça? Oh putain, c'est où? C'est pas là? Ouais, ici. C'est parfait. Ok, là, ça me permet de... propriété bio-organique. Je peux en savoir plus, s'il vous plaît? Ok, bon. Je sais pas trop encore à quoi ça sert, on verra plus tard. Je vais aller poser mes... On va poser ça, on va poser ça.
J'ai la silice, hein. J'ai pas. Oh la vache, j'ai pas mal de silice. Et calcaire, calcaire, calcaire. Mais comment ça se fait que j'ai autant de calcaire? Ah oui, c'est vrai que j'en ai récupéré un peu. Bon, vous savez quoi? On va construire des trucs. Et du béton, par exemple, de la biomasse. Le mycélium, j'en ai pas mal. On va faire de la biomasse avec. Hein. En vrai, ça va vite, hein. Heureusement, parce que sinon ce serait vraiment chiant. Ah, regardez, mine de rien, toute la biomasse que je construis, produit, je veux dire. Un mycélium, 10 biomasse. Ah, ça c'est bon. Tout le biocarburant solide que je vais pouvoir faire. Alors, regardez, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Hein. Tac, 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 tac. 588 biocarburant. Grâce à. Hop, à tout ça. Oula. Ouais, ça tombe bien parce que je n'ai plus de masse. Peut pas faire de lingots. Putain, le nombre de vis qu'on peut faire, toi. Oh là là. Ça, non, je vais garder. Fil électrique, je garde. Par contre, béton. Ça servira. Eh ouais, le béton, c'est cher, par contre. Hein. Je peux pas en faire des masses alors que pourtant, j'ai beaucoup de. Enfin, j'ai pas mal de calcaire. Ça c'est l'inconvénient, j'ai un peu de biomasse compactée, de carburant solide. Je vais pouvoir refaire le. Je vais trier mon inventaire. Est-ce que je peux trier mon inventaire comme ça? Oh yes! Oh, c'est pratique. Oh, c'est pratique de fou. Hop, alors tige de fer. Hop. Tige de fer. Du qui file du câble. Du béton, des vis, le biocarburant solide, on va le mettre là. Hop. Ah, ça c'est fini. J'ai quoi? J'ai des lingots de cuivre. Oh la vache. Bon, les lingots de cuivre, je vais en faire du fil électrique. Dans tous les cas, ça servira peut-être autre chose. Là, ça ne sert pas. Tous les lingots de cuivre qui sont là, ça sera utilisé. Ça se stack par 500. Ça c'est du cuivre là, oh la vache. Hop, c'est quoi? Hop, j'ai du fer, enfin du lingot de fer. Ouais c'est ça, j'ai plus que du lingot de cuivre et un de calcite, un de calcaire pardon. Oh, ouais, par contre je vais en avoir du filant. Combien? Encore 500? Il va y avoir de quoi faire. Mais là en vrai, avec la biomasse que j'ai rapportée, ça va me tenir quoi? Pas si longtemps que ça, hein. Enfin c'est ça va peut-être me remplir une fois les réserves et encore. C'est pour ça il faut vite passer à autre chose, hein, parce que c'est compliqué. Là l'électricité elle a du mal. Je me demande même moi si je vais pas prioriser la recherche là pour partir sur. Sur la prochaine production d'électricité plutôt que d'aménager autre chose. Je vais faire ça. Hein. Je vais partir ouais, sur la prochaine prod d'élec. Hop, du fil. Qui en veut? Et ça bien sûr, hein, ce sera pour les prochains épisodes. Que là, bah, on va attendre qu'on ait assez de production pour améliorer notre HUB, notre hub. Et une fois qu'on aura notre hub, là on aura un nouveau truc à encore améliorer après. Autant dire, on n'a pas fini. Hein. On n'a clairement pas fini. C'est pas mal tout ça. De toute façon, je crois que du fil en plus on aura besoin au moment et en fait ça part très vite. Je sais plus dans quelle construction on vient, mais ça part régulièrement en fait. Éclat de charge, je sais pas ce que c'est. Là, faudra que je regarde. Je regarderai dès que j'ai fini là. Je m'en ai pour une dizaine de fils encore. Je vais voir ce que c'est éclat de charge. Protéines de crasher, je crois que c'est des trucs qui nous rendent de la vie ça. À des fins médicales. Ah ok.
Et ça. Il dégage une énergie mystérieuse. C'est tout? Bon, bah, à part une énergie mystérieuse, ok. Voyons. Là, j'ai bien envie de faire quelque chose. C'est. Ouais, je vais passer par là en vrai. Et je vais faire ça. Je vais faire des rampes. Ouais, c'est temporaire, hein, je le referai après. Hein, pour faire des rampes. Bienvenue dans Fortnite, les gars. Hop là. Et je vais grimper sur ce truc là. Alors, c'est pas beau, c'est clair. Est-ce que j'ai moyen de tourner en vrai? Pas de fondation là. Va pas falloir se péter la tronche, hein, je vous le dis les gars. Qui se casse la binette là, il a mal. Ça monte plus vite que ce que je pensais. Hein. À moins que ce soit un effet de perspective. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 fois. Alors, comment ça, hostilité là? Parce que je suis pas dans un bon. Pas dans un bon mood là pour construire là comme ça. Enfin, je suis pas dans une bonne position, je veux dire plutôt. Aïe, aïe, comment ça, dégâts infligés? Oh non, c'est ça! Oh, c'est terrible! Je vais me faire fumer petit à petit. Hein. Il faut avancer. Allez, à l'assaut, les gars. Oh non! Bon bah voilà. Heureusement, je réapparais. Mais je suis à poil. Je n'ai plus rien. Voilà. Bon, heureusement, j'ai réussi à en venir à bout. Ça m'a fait plus mal que prévu. Hein. J'ai pas compris. Hein. D'un coup, là, comme ça. T'as dû m'envoyer deux trucs pour un. Bon, je vais chercher mon coffre. Normalement, dans mon coffre, il devrait y avoir tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai perdu. Ah oui! Mais j'avais pas vu! Mais je suis dans la merde, hein, parce que. Bah ouais. Ah, ça c'est gênant. Je les avais pas vus les deux là. Bon bah c'est l'imprévu de fin d'épisode. On va faire des repousses Xenos. Il faut quoi? Tige de fer, plaque de fer renforcée. Oh la vache, câble électrique. Ah oh ouais, en plus c'est pas purée. Bon. C'est pas le moins cher en plus. Hein. Hop. Hop. Oui. Non. Allez, moi, j'ai besoin de vis. Ah, mais si, il me faut les plaques de fer renforcées. C'est combien? C'est combien de plaques de fer renforcées? C'est deux? Je vais m'en faire deux. Et je vais en laisser un dans le coffre, parce qu'à mon avis, je vais y passer encore une fois. Donc là, je vais faire 4 plaques de fer renforcées. Je vais me faire deux machins. Deux repousses Xenos. J'ai
J'en laissais un dans le coffre. J'ai mangé des baies, ça va me permettre de me soigner quand même. Hop, on repousse les noces. On va prendre les noix, pardon, pas les baies, les noix. Hop, on va manger ça. Allez, bon appétit mon gars. Voilà. Et là, bah, va falloir aller taper ce qui nous a, fumé deux fois. Hein. Allez, à l'abordage! Et de 1. Ah bah ils ont été faciles cette fois. Bah alors? Bah. Ok. Bon. Ah ouais, mais il y a ça au-dessus. Ah, c'est terrible! Je vais devoir monter. Je vais devoir monter encore plus. Le pire, c'est que c'est même pas la bonne hauteur et je vais devoir encore. C'est dingue. Alors, c'est quoi? Électrolimace violette. Voilà. Alors là, il va me falloir de la place, hein. Vous allez voir. Alors oui, c'est très moche, hein. Mais bon, le jeu il sera comme ça au bout d'un moment. C'est terrible. Voilà, c'est un peu le principe de ce qu'il y aura par endroit. Ouais, je vais remettre un largeur. Ouais, je peux rajouter deux. Ah, ça nous fera une belle plateforme. Et pourquoi une si grande plateforme, me demanderez-vous? Et je vous répondrai très simplement. Pour ça. Qui est juste immense. Vous voyez hein, la taille de la plateforme. C'est ouais. Et, ah, il manque pas grand chose en vrai. Vas-y, tu sais quoi, je vais la faire. Plaque, tube et. Oh la vache, le nombre de câbles. Plaque, tube et câble. Alors. Voilà, là, il y a un truc là, c'est si on saute. Oh, putain, je suis pas bien. Ah, peut-être un petit léger problème de vertige des fois. Un petit problème avec le vide. Ouais, non, mais il a de bonnes jambes, hein, il a de bonnes jambes hein, quand même. Pas de. Voilà. Mince, on disait. Plaque, tube et fil, ok. Hop, tac, tac, tube, tac, tac, et du fil, c'est où, c'est là, pas de chance, c'est celui-là. Ok, je vais laisser l'électrolimace violette, à moins que, j'en sais rien, je suis daltonien les mecs, oh si c'est bon, yes, j'ai aucune idée de ce que ça fait par contre. Hop. Allez, on va placer le truc là tout en haut. Là. Ouais, vous voyez, ça fait. Et encore, ça fait un petit escalier, on va dire. Ouais, c'est. Peut-être qu'à terme, il y a des choses dans le jeu pour construire, on va dire, de manière moins sale.
Mais là, on n'y est pas. Là, on n'y est clairement pas, quoi. La 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 la. Petite balade, faut pas tomber. Hop là, alors. Ascenseur orbital. Construction trop inclinée. Oh, c'est terrible. Je crois que c'est pas assez grand. Ouais, quand même. Comment ça, c'est pas assez grand? Ah ouais. Ah, ça passait tout à l'heure. Oh, si, quand même, attends, tu peux me dire que c'est. Sur la profondeur, il manque en profondeur. Il manquait un tout petit peu en profondeur. Il manquait rien, mais il manquait toujours. L'ascenseur, c'est reparti. Deuxième essai. Ok, bon déjà on voit que c'est un peu mieux, plus facile à mettre. Alors. Ok, on a l'entrée ici. On a l'entrée ici des matériaux parce qu'il faut mettre les matériaux à la main. Ah non, on peut pas les mettre à la main, hein, un truc comme ça. C'est fou ça. J'ai vraiment pas de place, hein. Ok. Allez, regarde. Allez, regardez-moi la tête de ce bordel. Et ça dépasse en plus, hein. C'est immense. Par contre, en vrai de vrai, j'aurais pas pu le mettre dans l'autre sens plutôt. Je vais essayer, hein, parce que là. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie là. Et le problème là, c'est qu'on voit pas de loin. En largeur. Wesh. Après, si je suis dans le champ, c'est pas non plus ouf, quoi. Ah ouais, il y a à peine trop de. Ouais. En fait, je vais le mettre le plus poussé possible, mais. Que comme ça. Hein. Je vais agrandir, mais le problème c'est que je vais devoir aller rechercher du béton. Voilà l'ascenseur. Parce que je crois que ça consomme 500 et que là je vais avoir 490. Ouais, 480. Ah. Bon, la question. Le raccourci, c'est pas par là. Ouais, on prend quelques dégâts quand même. Hop, tout ça, ça tourne au moins. Oh non, il me faudrait du béton, s'il vous plaît. Comment ça? Vous êtes déjà venu vider nos stocks il y a 10 minutes. Ouais. C'est-à-dire que ça consomme un peu tout ça, là. Vache. Bon, heureusement aussi, on a de la chance, c'est que nos mines sont infinies. Hein. C'est très connu, ça, dans. En théorie. Oui.
Plein de théories fumeuses. Bref. C'est les mêmes gens qui vont dire, oh non, mais t'inquiète, les mines c'est infini. C'est les mêmes gens qui vont dire, oh non, réchauffement climatique, il n'existe pas ça. Ok. On est en haut. Allez, est-ce qu'on va pouvoir bien le placer cette fois? Ouais, c'est une galère. Hein. Galère son nom. Bon, on a l'entrée qui est là. Ah, déjà. On a un peu plus de place comme ça. Est-ce que je peux le pousser un tout petit peu là? Bon allez, ce sera comme ça. Et regardez-moi la taille de ce truc. Ça va être... Alors attendez, je vais voir si je peux... Voilà. Là vous dites, ouais, c'est grand, ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Là, tu fais... Là je vous dis, non, 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 non. C'est pas que c'est grand. Là c'est que c'est la fondation. Vite, laissez le temps au temps. Et voilà. Et voilà notre ascenseur. Orbital. Ah, une petite taille. Oui. Et pour terminer la phase 1, il nous faut des plaquages intelligents. Je n'ai aucune idée de comment on fait ce truc. Et on va voir de bas, on va regarder d'en dessous, vous allez vite comprendre la taille du bordel. Alors déjà je l'ai mis en hauteur exprès. Et quand vous allez le voir d'en dessous, vous allez comprendre pourquoi. C'est que là au moins il m'embête pas. Parce que, en vrai la taille que ça prend c'est... Regardez, je sais pas si je peux le mettre de là, mais... Allez, si je le mets là, regardez la taille que ça prend ce truc, regardez la place que ça prend. Si vous comparez par rapport à ce qu'il y a à côté quoi. Et on compare, je sais pas si je peux le mettre là plus loin. Ouais. Regardez la taille du truc. Ah. C'est juste énorme. Donc pour éviter cette perte de place, je l'ai mis là. Et regardez la taille de ce bordel. C'est sympa, c'est sympa. Et ça nous disait faire des plaques machin là. Je suis même pas sûr que je puisse les faire encore. Non, je peux pas. Faut que je débloque quelque chose pour ça. C'est ça. Il me faut du plaquage intelligent. Et pour cela, il me faut les vis. Allez, vis, j'en vois, et c'est le dernier truc de l'épisode, faut pas déconner. Hein. On est à 1h20 presque. Prenez un bon café, là vous avez eu le temps de... Vous imaginez en 1h20 là, tout ce que vous aurez pu faire, tout ce que vous avez fait pendant 1h20. Hop, c'est là. On choisit un jalon. Hop, tiens, prends ces cadeaux. Non, on a vu. Au moins, ça a le temps de... Un petit peu produire quoi. C'est pas là, c'est là. Allez. On envoie. Merci, merci pour le décollage. Nouvelle pièce, nouveau bâtiment. Ah, l'assembleuse. Ouais. Ok. Et là on est bien. Bon bah bien sûr il va falloir au moins compléter les autres jalons histoire d'eux quoi. Là c'est vraiment nul. Ça c'est aussi vraiment nul. On va compléter celui-là. Bon au moins on sait qu'on a ce qu'il faut mais la capsule elle revient que dans 5 minutes.
Donc pour le prochain épisode, j'aurai tout envoyé. De toute façon, je vais laisser tourner le temps de produire un peu parce qu'il va falloir énormément de ressources. Vraiment beaucoup. Bah, on se retrouvera lors du prochain épisode une fois que ça aura bien tourné. C'est déjà vite. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce long, pour le coup, ce vraiment très long épisode. Long épisode. Je vous propose de me retrouver bientôt, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob.